Un autre exemple, d'autres exemples de scénarios, euh, peut-être le thème où, il y a le, où il y a des, les scénarios sont les plus, euh, les plus violents. Je pense à des thèmes où le nationalisme est à l'œuvre. Alors, je vous donne deux exemples comme ça de, de, de cas de nationalisme à l'œuvre. Le premier cas, c'est un cas qui s'appelle le crâne de pile-down. Alors cette histoire elle, elle mériterait que je vous en parle une demi-heure, mais je vous donne juste envie d'aller farfouiller cette histoire. Le crâne de Pildaun, on est en 1912, il y a un type qui s'appelle Dawson qui se promène, enfin il se promène pas n'importe comment, c'est un archéo amateur, quoi, si vous voulez, et il déterre, euh, du côté de Pildaun, un crâne qui a l'air vraiment ancien. Alors si ma mémoire ne me trompe pas, il va voir le, le conservateur du musée local qui s'appelle Woodward et il lui dit, euh, tiens, regarde, euh, c'est incroyable, j'ai trouvé un truc bizarre, le crâne a l'air vraiment, vraiment vieux. Et là, il dit, oh, l'autre film, incroyable, mais c'est fantastique, euh, c'est merveilleux, allons le montrer tout le monde. Euh, tout le monde, la Royal Society, tout le monde s'en empare, tout le monde chante l'arrivée de ce qu'ils ont appelé Eoanthropus, l'homme de l'aurore, c'est-à-dire euh, peut-être le fameux chaînon manquant. Je reviendrai sur cette notion de chaînon manquant dans le cours sur la biologie de l'évolution, parce que c'est une notion qui n'est plus usitée maintenant et pour de bonnes raisons. Et donc eux, ils se sont dit, ah ça y est, on a chaînon manquant. Et ils se sont emparés de ça sans trop s'encombrer de, de manières de vérifier ce qu'ils avaient trouvé. Est-ce que ça tient vraiment la route Est-ce que c'est si vieux que ça il aurait fallu attendre 1947 pour que quelqu'un le fasse. Et que quelqu'un, en regardant, je crois que son nom c'était au Oklet regarde, il dit, quand même, il est bizarre ce truc. quoi. C'est Tout le monde en parle, ce homme de l'aurore, mais ça m'a l'air bizarre. Alors, il fait une datation au carbone 14, que, ce qu'on n'avait pas avant. Et là, il se rend compte que, en gros, je vous le fais rapidos, euh, le crâne, c'est un crâne d'Homo sapiens du Moyen Âge. Et euh, les, la mâchoire, c'est une mâchoire d'Orang outan qui a été habilement peinte ou teinte et euh, dont les dents ont été soigneusement limées pour imiter la l'usure du temps. Enfin, en gros, c'est un fake, c'est un vieux truc tout pourri, tout construit. Quoi. Et ça a duré pendant, 40, pendant 35 ans, tout le monde a gobé ça. Alors, et la question, c'est pourquoi tout le monde a gobé ce qui était probablement la plus grosse imposture d'archéo-anthropologie du monde quoi. Comment ça se fait qu'en Angleterre, qui était quand même le, le, un endroit où les sciences tournaient bien dans les années 1920, pourquoi personne n'a douté Et en fait, c'est là qu'on comprend que le moteur, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme, c'est le chauvinisme. C'est qu'en 1912, c'est la période. Euh, où on disait que le soleil ne se couchait jamais sur la couronne d'Angleterre. L'Angleterre possédait la moitié du monde, des empires coloniaux monstrueux, les mers, etc. Et c'était l'époque du Titanic, c'était l'époque où tout. Enfin, c'était la démesure, quoi. Le peuple anglais euh, euh, souffrait de la grosse tête, comme on peut dire. Voyez, il était à fond, quoi. Et par contre, ils avaient un truc qui les gênait beaucoup, c'est que les, anglais, les Allemands avaient trouvé Néandertal, euh, les, les Français avaient Romagnon, et eux, ils n'avaient pas d'ancêtres anciens, quoi. Et pour un peuple aussi génial que le leur, il fallait quand même trouver un ancêtre ancien. Et quand quelqu'un trouve un ancêtre ancien, même tout pourri, eh ben on se jette dessus Puis on fait Waouh, on est content. Vous voyez, les yeux du cœur ont mauvaise vue. Et donc, si vous êtes animé par des sentiments nationalistes ou patriotiques, il y a fort à parier que dans une situation comme celle-ci, vous vous empariez du truc en étant un peu moins vigilant, voyez, vu l'enjeu. Et c'est ce qui a permis à cette imposture de durer assez longtemps. Il y en a d'autres hein, comme ça, hein, des impostures qui, qui durent. Un autre cas que j'ai pris, c'est lannerb de, gemeinschaft de, du, du tristement célèbre Himmler et ses copains Wirth et Darré, qui sont tout aussi tristes de mémoire. Ce qu'on pourrait traduire, en fait, cette association, enfin, cette société, c'est euh, la société de l'héritage ancestral. L'idée pour Himmler, c'est de, dans les années 1935-36, c'est d'essayer de retrouver les traces de la supériorité aryenne et de la démontrer sur le plan archéologique et archéo-anthropométrique et donc ils vont tout faire pour essayer de trouver des traces anciennes euh, pour montrer que leur peuple est, est supérieur et donc il faut retrouver des traces alors vous voyez y a, y a eu plein, ils sont partis dans plein de directions hein. ils ont été mesurés des crânes dans le monde entier ils ont été euh, euh, essayer de, de prouver qu'il y, de, qu y avait une souche indo-européenne nordique d'où eux venaient qui aurait donné la race aryenne euh, ils ont été même jusqu'à essayer de travailler sur euh, des traces de l'existence du marteau de Thor, vous savez, Mjolnir, parce que voilà, ils ont tripé grave, quoi. Ils ont été jusqu'à, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait encore euh, dans, euh, Bon, je vous passe les, 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 des expériences assez glauques sur les corps euh, des individus. Enfin, ils ont fait plein, plein de trucs comme ça pour essayer de montrer que la filiation était très ancienne, et si possible, notamment sur l'écriture, essayer de trouver des traces d'écriture qui soient plus vieilles que celles de ces affreux bougnoules épouvantables sous qui sont loin là-bas et qu'on n'aime pas du tout, parce que nous, on est le peuple glorieux, si vous voulez. Et là-bas, c'est des horribles barbares métèques moches. Euh, et donc, euh, tout sauf euh, que l'écriture ancienne soit sumérienne, par exemple. Il faudrait qu'on en ait une plus vieille. À un point tel qu'à chaque fois qu'il y avait des trucs euh, sur... Euh, des, des, des écritures anciennes dont il y avait des traces plus ou moins directes ou plus ou moins claires, comme je pense à l'écriture de Glosel C'est pour ceux que ça intéresse, je vous en reparlerai parce qu'on s'est rendu sur place avec des collègues il y a une dizaine d'années et c'était assez épatant cet épisode de glosel Mais il y avait, on a retrouvé des traces d'une écriture très ancienne sur des os de rennes en, dans, dans le massif central et les Allemands à l'époque qui occupaient la France sont venus en disant, ah super, on a enfin un truc. À peu près ils se sont dit bon c'est un peu foireux quand même, mais bon euh. et enfin, ils se jetaient sur tout ce qu'ils trouvaient quoi. Donc quand le moteur est euh, ce qu'il qu faut, qu faut bien piger là-dedans, c'est qu'en fait, généralement, on, on, peut, on peut difficilement se séparer d'une théorie implicite dans notre tête, si vous voulez. C'est difficile. Mais normalement, ce sont les faits qui doivent vous guider vers la théorie. C'est ça qui est plutôt sain. Là où c'est inquiétant, c'est quand vous avez déjà la théorie avant et qu'on essaie de trouver les faits ensuite. Donc, quand on a une théorie que, je sais pas, les Juifs possèdent le monde. Ben après, on va collectionner les faits et on tombe dans le biais de confirmation d'hypothèses. Si on est persuadé que c'est les francs-maçons qui dirigent le monde, pof, on fait pareil quoi. Si on est persuadé que le peuple allemand est de race aryenne supérieure à toutes les autres, et ben on va aller collectionner les faits qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Si on est persuadé que les Juifs ont orchestré, machin, etc., c'est pas très très compliqué d'aller trouver des invraisemblances sur les photos des Chambres à gaz dans les. Voyez, en fait, on a la théorie avant dont on est amoureux. Enfin, on a un scénario en fait qui est même pas contradictible et après on va aller collectionner les faits qui, est... qui tentent de le corroborer quoi. Ça, ça sent mauvais. Un exemple plus local et plus récent, ça, c'est le, le saut du, de l'âne herbe ça, de triste mémoire. Un exemple récent et plus local, enfin plus local, c'est en Bosnie. C'est ce qu'on appelle la, 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 la Visočitska. Enfin, il y a plusieurs collines d'ailleurs en question. C'est du côté de Visoko en Bosnie. Et là, vous avez eu un trip assez majeur en 2005 d'un type qui s'appelle Semir Osmanagić, qui n'est euh, pas du tout archéologue, hein, euh, mais qui est euh, Comment dire euh, Je ne sais même pas comment il se définirait, lui. Est un, il est tripé, quoi. <laughs> un, un mec tripé qui a décidé un jour il a décidé, ah, regardez, sous cette, il a dit regardez sous cette, euh, cette pyramide-là. Là, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien. Cette pyramide, elle est trop étrange pour être euh, comme ça par hasard. C'est probablement la trace d'une pyramide ancienne recouverte par la végétation. Pyramide qui serait certainement bien plus vieille que. Que les pyramides de Gizeh et toutes les pyramides qu'on connaît en Égypte, etc. Euh, il a daté a priori de 14 000 ans. Donc vous voyez, avec un peut-être, c'est devenu un truc sûr. Et donc il a pratiquement englouti toutes les ressources archéologiques du pays pour chercher sa pauvre pyramide. Là, euh, chaque fois qu'il trouvait un caillou un peu rond, un peu carré, un peu étrange, il disait ah ça y est j'ai une preuve et tout. Tout le monde et tout le monde le suivait sur place pour une raison simple, c'est que si si s'il si trouvait vraiment quelque chose de, de sérieux là-dedans, alors on aurait pu montrer que alors voyez encore le son conceptuel que fait Semir Osmaragic, hein, il dit euh, ⁇ ça prouverait donc bien que les Bosniaques étaient un peuple supérieur, ce qui donne une primauté des Bosniaques sur les terres en question. Et dans un contexte d'ex-Yougoslavie, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, les guerres qu'il y a eu là-bas, mais euh, tout le monde s'est bien frité, quoi. ⁇ donc le moteur est purement nationaliste là-dedans. Et donc vous avez un type comme ça qui, sur une vue de l'esprit, a été capable de, dé de dévoyer toute l'archéologie d'un pays. Alors il y a plein de gens qui ont râlé et tout, ça peut pas empêché quand même des campagnes entières avec des gens qui sont fiers d'être bosniaques. Vous voyez Alors en anglais, bosniane, ça veut dire bosniaque. Alors nous on met exprès pyramide bosnienne pour dire que ça vient de Bosnie, mais que ce n'est pas forcément bosniaque en plus. Ça se trouve, c'est fait par, euh, je sais pas, un Breton. Enfin, ça se trouve, ça a été fait par un Breton. Si tant est que ça a été fait, et pour le coup, il y a zéro trace de ça, aucune raison de penser ça. Il y a eu des pétitions de, de, de quasiment tous les archéologues du monde contre ce monsieur qui n'est archéologue que de prétention. Il y a un bouquin qui a été fait sur le sujet par Irna, euh, les pyramides de Bosnie. Et puis, y a, je vous ai mis ici un blog qui n'apparaît pas, mais qui est absolument remarquable sur le sujet. Moi, j'avais fait un travail aussi avec une stagiaire sur ça. Les moteurs euh, chauvin. Euh, sont son, son légion. Hein. Je, je peux donner juste un exemple encore. Euh, euh, en ce moment, j'en ai parlé à un groupe la semaine dernière. Euh, le le Jobbik, le, le, le parti au pouvoir en Hongrie, euh, qui est un gouvernement d'extrême droite, euh, essaye de se créer une filiation artificielle, enfin, en tout cas, elle, elle est tout, tout à fait douteuse, avec euh, les 1 de Attila. Mais ça fait très plaisir aux gens qui écoutent ça, parce que c'est glorieux de descendre de Attila. Mais vous voyez, le type a déjà sa théorie en tête, et puis il cherche des faits qui, qui corroborent ce qu'il pense. Mais sans vraiment se soumettre à la réfutation, ce qui crée un scénario, quoi. Et vous avez comme ça des scénarios qui sont qui sont tout à fait euh, en vue, quoi, appréciés du, du grand public, surtout quand il a le même moteur que la personne qui les prétend. Alors deux conseils pour détecter les scénarios quand vous parlez avec quelqu'un demandez-lui s'il a un élément qui ferait, qui ferait changer d'avis. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je fais avec les étudiants. Hein. Et si la réponse est non, bah il est dans un scénario. Allez boire des coups, quoi. Ça ne sert à rien de s'en euh, sur le sujet. Et s'il est dans un scénario, normalement rien ne le fera changer d'avis. Et regardez si la théorie était construite avant de chercher les faits. Voyez, Normalement, c'est des traces qui se disent Ah, il y a des traces là, peut-être alors est-ce qu'on aurait une théorie qui pourrait expliquer tout ça? Ah hum. ça c'est la manière un peu saine, si vous voulez. L'autre c'est hum, j'aimerais bien que ça, ça soit vrai. Ah oh ça ressemble, donc je vais le mettre là. Ah puis Ah ça aussi ça ressemble, Regarde. ah donc j'ai ma théorie. Vous voyez, et ça ça pue. En gros, hein. c'est de l'épistémologie à la main. C'est pour ça qu'on dit Regardez les faits avant la théorie. Alors, il y a une phrase qu'on répète parfois. Hein. On dit euh, avant de, faire du, de bâtir des châteaux de sable sur l'Atlantide, assurons-nous qu'il y a bien du sable et que l'Atlantide existe. Sinon, risque majeur, majeur de raisonnement à rebours. Le biais de raisonnement à rebours dont je vous parle, je vous en toucherai un mot, mais je vous donne déjà son nom. C'est ce qu'on appelle le raisonnement panglossien. C'est-à-dire raisonner à rebours vers une cause qu'on aimerait voir vraie, décider qu'elle est vraie et ne chercher les faits qui collent à. à on appelle ça le, le raisonnement panglossien en hommage à Pangloss que vous avez certainement lu en terminale. Le livre, de Candide, vol, euh, de, le livre de Candide fait par Voltaire, vous avez, vous avez vu ça Non, C'est encore au programme, non, il me semble. Et Pangloss, c'est le, pro, le, le professeur de cosmo, je ne sais plus quoi, niglologie je ne sais plus quoi, qui suit Candide partout. À chaque fois qu'il arrive une merde à Candide, il lui dit « Ah, mais c'est normal euh, !» Euh, tu vois, tu, oh, c'est épouvantable, ils t'ont mis en prison et tout, mais ça t'a permis de comprendre ce qu'il y a dans les prisons. Tu vois, c'est pas si négatif, tu vois, tout est bien en fait, parce que ça t'a permis, regarde, on est là en train de parler, donc c'est cool ce qui t'est arrivé, sinon ça serait peut-être pas là. Et il raisonne toujours à rebours comme ça pour justifier la situation dans laquelle il est. On verra que ce biais de raisonnement, il est très très fréquent dans la biologie d'évolution à ses débuts. Quoi. Je vous donnerai des exemples là-dessus, au cours spécifique. En gros, quand vous relirez cette diapo, ah oui, je ne je, 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 je vous fais pas. Euh, l'offense ou la, le, je, 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 je fais pas l'offense de vous lire en entier un texte ancien qui est un petit peu long mais qui vaut vraiment le détour le problème là avait été très facilement très très élégamment pointé par Fontenelle euh, dans un texte de 1674 qui s'appelle la dent d'or pour, pour vous donner envie de le lire j'ai mis une dent en or c'est une histoire de dent en or et, euh, et c'est assez génial quoi Fontenelle grand auteur que j'aime bien mais je vous le dis pas là sinon ce serait un peu long et ça vous prendrait la tête alors quand vous relirez mon diaporama vous pourrez comparer entre théorie et scénario. En quoi une théorie est évolutive, potentiellement réfutable. Un scénario lui il est stagnant. Généralement, il bouge pas et il est, euh, il est irréfutable. La théorie est humble. Elle dit généralement les limites auxquelles elle, 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 est, elle est confrontée, alors que généralement les scénarios sont, ont un pouvoir explicatif absolument colossal. Et puis il y a plein de petites différences que vous avez vues qui finalement égrènent tous les points qu'on a abordés jusqu'à présent. Critères de Popper, Ockham, pas d'acte de foi et l'autoui. Et puis, euh, en théorie, c'est universalisable, collectif, et c'est non prescriptif. Ce n'est pas parce qu'une théorie vous montre euh, euh, quelque chose que c'est forcément bien, à moins que vous pensiez que le monde euh, soit bon en soi, créé par une entité surnaturelle, quoi. mais c'est coûteux comme hypothèse en science. Hein. Mais ce n'est pas parce que les faits montrent que... Je vais vous donner un exemple pour ça. Beaucoup de gens, quand je discute avec eux du racisme, me disent ⁇ Ah, oh, on ne peut pas être raciste, c'est vraiment moche d'être raciste, c'est pas bien ⁇ Je dis oh, ⁇ Pourquoi eh ?⁇ Ce n'est pas bien parce que les races, ça pas. Mais imaginez qu'un jour, on trouve vraiment des races humaines. Est-ce que ça nous rendrait, est-ce qu'on devrait redevenir raciste ?⁇ ben non, parce qu'en fait, vous voyez, la posture antiraciste, c'est une posture morale qui est cohérente, qui tient la route, qui peut se justifier, mais qui ne se justifie pas du fait qu'on ne trouve pas de race. C'est qu'un argument en plus, le fait qu'on ne trouve pas de race. Mais si on devait trouver des races un jour... Ce pas pour autant qu'il faut devenir raciste. Quoi. Vous m'avez suivi. C'est largement plus puissant de le placer sur un plan moral, cette question-là, que sur un plan d'effet. Mais c est, c est, on est juste à la frontière de, de ce que je vais vous raconter en cours. Mais J'ai traité de ça récemment avec des doctorants. On parlait de, des questions du nucléaire, ou des gaz de schiste, ou des OGM, etc. Très souvent, on pose la question sous l'angle scientifique en disant, alors, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre ce plan scientifique Mais sur le plan scientifique, vous ne pouvez pas être pour ou contre. Vous pouvez juste dire les inconvénients et les avantages. Quoi. Et par exemple, sur le cas des OGM, euh, la, alors je vois que ceux qui sont plutôt pour, ils vont balayer tous les inconvénients. Tous ceux qui sont contre vont aggraver les inconvénients. Mais en fait, la question, elle n'est pas scientifique. La question, c'est quel modèle de société voulons-nous Est-ce que nous sommes d'accord pour breveter du vivant C'est ça la question qui compte. Et moi, de ce point de vue-là, j'ai plutôt tendance à penser que non, et que ce n'est pas une très bonne chose en soi. voyez Mais c'est sur le plan moral et politique que j'ai cette opinion-là. Mais sur le plan des sciences, il y a toujours des gens qui vont aggraver les inconvénients ou, au contraire, les atténuer. Et donc, c'est difficile de s'y retrouver. Ces débats politiques-là sont des débats politiques. Quoi. Ce sont pas des... La science vient nourrir les argumentaires, mais elle n'est a... pas là pour vous prescrire quoi que ce soit. J'espère que vous sentez bien cette nuance. Hein. Elle vient nourrir les argumentaires, mais elle n'est pas là pour prescrire. Et vous remarquez que dans les scénarios, généralement, il y a quelque chose de très prescriptif en termes de valeur. À méditer donc.